C'est une énorme tempête qui va redistribuer les cartes dans les 3 jours à venir. Elle va fermer la porte d'entrée sur le Pacifique, du sud de l'Australie à l'Antarctique, avec des vents à plus de 60 nœuds et des creux de 10 mètres. Alors, ça devrait passer vite, mais ça va être violent. Quoi. Donc, je m'attends à des rafales à 50, peut-être 60 nœuds. Ouais, c'est sûr qu'avec Estema, on est quand même mieux positionné que Yann, notamment. C'est des phénomènes violents. Ça s'accélère vraiment sous la Nouvelle-Zélande, quand tu passes sous la Nouvelle-Zélande, et à cet endroit-là, au mauvais moment, on va dire. Donc, il va falloir bien gérer, pas faire de conneries. En fait, le vent, il va monter très vite, très fort. Donc, il va falloir que je sois capable de descendre les voiles rapidement, sans faire des bêtises, quoi. Face à ce gros temps, Eliès, Dick et Le Cam ont des options radicalement différentes. Jean Le Cam ralentit l'allure en restant dans le sud. Jean-Pierre Dick compte passer par le détroit de Bass. Yann Eliès, lui, reste au centre. Ça commence à me peser, quoi. J'en ai marre de gérer ce genre de situation-là. Pendant que les petits copains devant, ils se font pas chier avec ce genre de trucs, de considération. Mais bon, écoute, comme ça. 2400 milles plus loin, tout va bien pour les deux skippers de tête, Armel Lecléache et Alex Thompson, dans un duel on ne peut plus tactique. Mais ça va être un petit peu là, les prochains jours, on va être un petit peu compliqué en termes de stratégie, mais bon, on va changer un peu de rythme, on va être dans une mode plus calme, ce qui nous permet de pouvoir aussi souffler à bord, se reposer, faire un peu l'entretien. Il y a quelques petites bricoles à faire, rien de grave, mais bon, il va falloir quand même s'y atteler pour avoir un bateau 100% efficace pour la suite. À 12 500 km des leaders, Romain Attanasio, lui, est de retour dans le match. Alors là, les amis, ça carbure. Là, je suis en reaching à 35 nœuds de vent, le bateau il avance à 22, 23 nœuds. Ouais, je vais aller réduire un peu parce que là, préserver un petit peu le matériel. On est dans le sud, hein. Il y a du vent, il fait froid. Ciao.